pasteur nous saisit comme visiteur aujourd'hui qui rentre pour venir partager la parole que Dieu ensemble avec nous. Et nous gagnons Frère Fisnet qui est ensemble avec nous, qui est toujours là pour être capable de prier et partager tout ça pour Dieu lui-même lui mettre sous cœur. Alors, pasteur nous dit où nous saluons dans le salle, nous demandons de capable saluer tous les amis, frères et sœurs, nous qui attendent, nous qui gardons dans le salle à la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, amis en Jésus-Christ, pour la paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous. Nous comptons pour nous la matinée sur une invitation spéciale à la sœur Elisane et Jacques Odor, accompagné de tout staff qui a travaillé avec nous, Maestro Richard et Caméra avec nous. C'est un plaisir pour nous la matinée et ensemble nous parlons, ensemble manger la parole de Dieu et nous pensons que le moment ça va être un moment béni pour chacun qui a tout de nous là. Amen, amen. Et il faut vous demander de capable saluer toutes les amis de vous parce que vous êtes toujours autant pour capable garder ou capable coûter à la gloire de Dieu. Chers internautes, moi saluons quel que soit côté, quel que soit côté attendu nous à travers YouTube là, à travers Facebook là. Nous bel et bien présents sur le plateau pour porter l'évangile de grâce à vous avec un invité très spécial, pasteur Saint-Sigil, qui est avec nous sur le plateau. Nous saluons pasteur Yves Saint-Sigil. La Saint-Guy Osmi, c'est un plaisir encore pour nous entrer la caille Internet Joe pour partager l'évangile de grâce. C'est toute l'équipe là qui est bel et bien présente. Nous saluons quel que soit côté, nous allons amuser ensemble dans la parole de Dieu. Au début, nous saint Yves. Amen, amen. Nous connaissons déjà, c'est Frère Richard Rosemont qui est ensemble avec nous, qui est sous un bord là, qui a mixé son yon pour nous, pour capable danser sous tes corps, côté que vous y a, et nous avons une caméra avant nous, Frère Iri. Alors, qui fait nous rentrer la caille bien belle, qui est pour Dieu capable de bénir nous, nous saluons tous les amis nous, et pas oublier comment vous capable de rentrer sur YouTube. Alors, écrit Elisane Célestin, et vous avez des chances pour capable de jouer toutes les vidéos nous, pour gagner un bas vidéo, pour capable de partager. Sœur Nadia, Sœur Woodline, nous saluons Frère David Bien-Aimé, nous saluons Frère Guy Pierre, nous saluons Frère Léane Jean Dadam, nous saluons Ruth Rizor qui a coûté nous depuis Brésil, nous saluons la Sœur Frère Luc Ben, nous saluons nous. Que bon Dieu est capable de bénir nous, Pasteur nous, Élisée Jean, nous saluons, que bon Dieu est capable de bénir nous. Et Frère Fiscal de l'Ordre, ça nous fait place ensemble avec nous, capable de prier, pour nous capable de remettre avec Pasteur nous. Et nous pouvons faire plein de même dans le salle à prendre parole de Dieu qui prend bail ensemble avec Dieu. Amen. Ah oui, c'est un plaisir encore pour nous entrer la caille tout internet qui branche partout. Dans pays différents, c'est Elisane. Nous saluons tout le monde en Haïti qui branche. Nous saluons en France, en Brésil, en États-Unis, nous saluons. Nous saluons en Mexique, en Saint-Domingue, en Chili. Quel que soit côté de Guadeloupe, nous saluons en Martinique, Saint-Martin, Équateur. Tout le monde qui est sur nous saluons l'église de la prophétie, l'église Saint-Denis, l'église Terre-Pénébré. Nous entrons dans la caille avec l'émission pour là, qui est même en pile là. Nous allons partager la parole de Dieu avec serviteurs, hommes de Dieu, nous toujours bien qui passent sous la loi, je dis à nous dire, pasteur Yves Saint-Cyr qui avec nous connaît en pile monde, nous allons content pour entendre ça que mon Dieu lui-même qui va nous ensemble avec nous. Vous voyez, disposez-vous pour être capable de la prière pour le Seigneur en vraie parole dans mon voisin. Amen. Grand Dieu tout-puissant, nous te remercions Seigneur d'une façon spéciale pour la vie qui est en nous. Nous ne pouvons pas mériter ça. Mais ce n'est pas plus bon parce que ça y est qui déjà allé. Mais vous faites nos grâces, vous faites nos faveurs, nos péchés que nous y sommes. Mais vous ne pouvez pas garder sur notre monde, mais vous faites nos faveurs, vous quittez nous pour être capable de servir. Seigneur, nous toujours demandons pour accompagner, pour parler de cet esprit-là. Le pasteur qui a utilisé chaque serveur et serviteur qui est toujours bien et bien présent pour rentrer dans la qualité d'autres choses qui branche partout et ailleurs pour générer une parole. Encore Seigneur, nous demandons que cet esprit soit capable de parler nous, utiliser serviteur, ou habitué à utiliser déjà. Mais dans le moment, nous demandons de débarrasser de tout lui-même, de générer une parole pour être capable de parler avec le peuple qui soit et grand vous. Pour donner nos paroles qui ont mis pour la vie dans nous. Seigneur, utilisez, paralysez toute l'équipe là qui vient de bien présent. Accompagnez-nous. Et pour ça, travail là-bas, aller vers l'avant. C'est une côté sourd. Le Seigneur a fait plus que ça de parole. C'est bien dans la vie, ça veut dire. Au nom de Jésus-Christ, qui a vu, qui a prié au ciel et des cieux.
Amen. Amen, amen. Alors, dans le salle, vous demandez aux capables de vivre, aux capables de position, capables de vous. Pendant que nous voyons un pasteur nous qui va diffuser parole pour dire ensemble avec vous, qui est dans le dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 7. Alors, ce que j'aime pour aujourd'hui, c'est l'Église face à la crise mondiale. Yes. Alors, c'est un très bel sujet. Nous demandons dans le salle, vous capables de prendre position, vous capables de tenter parole de Dieu. Pasteur, nous faisons place ensemble avec vous. Nous prenons toutes servantes, petites ou rien dans leur salle pour être capable d'entendre à travers Jean Coutier qu'on utilise. Amen. Merci, c'est Isabelle. C'est un plaisir pour nous, Mathéon, pour nous là ensemble. Et ensemble, nous allons méditer sur la parole de Dieu. Je vais vous pour nous dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 7. Amen. La fin de toutes choses approche. Soyez donc sages et sauve pour vaquer à la prière. Amen. Notre Seigneur les a déjà dit, nous, thème que nous gagnons aujourd'hui, c'est l'Église face à la crise mondiale. Nous vivons dans un moment où le monde a connu une crise, surtout avec la propagation de la pandémie du coronavirus. L'Église doit ouvrir les yeux face aux réalités actuelles qu'a traversé le monde. Et c'est pour ça qu'il engendrait non seulement une crise sanitaire, sociale, financière et économique, mais la famille aussi n'était pas épargnée par cette crise. Yes. Face à cette crise, les fils de Dieu, les enfants de Dieu, ils n'ont pas dû être un petit peu faits, ils ont un travail qu'ils ont fait. L'Église qui a un rôle extrêmement important. Et je dis à nous, prêts ensemble, ouais, qui rôle l'Église, qui comportement l'Église qui doit gagner face avec Christ. Nous vivons un moment de confinement, dans un moment où tout le monde est à la caille. Et qui aspect positif qui gagne dans le confinement et qui ça du côté des négatifs tout. C'est vrai, du côté négatif, le confinement lui permet de nous aider à la caille, lui permet en pile monde soit connaître des moments d'humiliation, abandon, abandon même par ses propres familles, peut-être Maria est capable d'abandonner par madame, petit Dieu capable d'abandonner par parents parce que vous mettez dans un isolement. Tout ça, c'est un aspect négatif. Négatif sur le plan économique parce que nous n'avons pas rentré, même rentré, vous avez gagné. Hein. Parce que quand le monde parle de travail. Mais à côté de l'aspect négatif, même le confinement aussi lui porte un petit bagage qui est positif. Positif à la mesure où lui permet de famille réunir ensemble, yes. Lui permet de moment ça, nous sommes capables de vivre en famille et nous capables de faire ça nous aider de dévotion familiale. Côté parents, nous sommes capables de chiter ensemble et discuter, pourquoi même pas négocier ensemble de points qui sont importants pour la vie foyer. Nous avons dit extrêmement important. Aujourd'hui, à cette mesure, c'est l'Église à lui-même face avec obligation. Tout d'abord, l'Église a un devoir de conscientisation. Yes. Pour conscientiser les gens, sensibiliser les chrétiens. Souvent, il y a un peu de monde qui prend Christ et puis on dit chrétiens, puisque nous sommes servants de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu, nous parlons de Père, mon Dieu a pris soin de nous. Bon Dieu, pas quitter nous tomber en bas maladie. Souvent, nous devons lever mon Dieu, tenter mon Dieu. Par exemple, dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 5 à 7, nous voyons Jésus-Christ après que nous finissons de jeûner. Satan vient tenter le Seigneur Jésus-Christ. Mais pendant que Satan a tenté le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur lui pas forcé la main de Dieu pour accomplir un miracle. Lui pas fait ça, Satan te voulait. Lui pas demandé mon Dieu pour faire un miracle, mais nous voyons plutôt lui laisser volonté papa faire dans la ville. Ce qui est important, c'est que l'Église là, a un devoir pour conscientiser l'union, pour le faire nous connaître, nécessité, même tout, pour mettre en pratique, nous capables de dire tout ça que l'autorité nous a demandé pour nous faire. Non seulement nous pouvons concrétiser nous, l'Église a dit qu'il a apporté un équilibre dans la connaissance. Inscrivez-nous, permettez-nous de connaître qui ça COVID-19 a été, qui ça a engendré, qui cause capable de produire dans le monde qui est en vivre là. Nous avons un monde réellement
bouleversé. Pendant le monde a bouleversé, nous étions chrétiens, nous pas qu'à bouleverser. Parce que nous là, dans le moment, nous là, parmi les épreuves, parce que l'épreuve de la vie du croyant, c'est un moyen pour être capable de grandir dans la foi. Nous besoin de grandir dans la foi, nous besoin de garder le Seigneur. Non seulement, ça fait maintenant pour nous capables de porter connaissance avec Père mon Dieu, mais mon sens, c'est pour nous capables de faire le respect des autorités, pour nous capables de respecter le médecin, pour nous capables de respecter le scientifique, parce que Dieu est libéré un ensemble de connaissances qui permettent de nous capables de prévoir l'ensemble des choses. Nous, une des choses que l'Église a besoin de faire, c'est accompagner nous. Yes. Accompagner nous. Souvent, avant la crise, là, ça permet nous. Ça permet de nous venir découvrir un peu de bagage. Avant, c'était des chrétiens qui t'ont fini l'église, c'est des chrétiens qui t'ont fait participation à l'église, c'est des chrétiens qui t'ont aidé l'église à avancer, mais moi, ça n'a pas de chrétiens, il y a le confinement, l'église a tout, puis besoin de faire une chaise pour aller vers le Seigneur. Ça, c'est un élément important. Nous besoin d'obéir les autorités établies. Dans Exode chapitre 18, nous avons été une parmi les grands leaders, c'était Moïse. Et tant qu'un grand leader, mais Moïse réunit chaque jour pour la juger le peuple. Et ça fait que Moïse fatigué. Et le peuple a été venu au moment, même lui en même tout, il était découragé. Yes. Mais lui avec le conseil de Jethro, son beau-père, yes. Moïse fait une bagarre extraordinaire. Parce que Jethro dit, non, on va épuiser le peuple là. Et au même, on va finir par mourir. Et finalement, il dit, il faut choisir des hommes qui soient capables. Établir comme chef. Je dis à nous besoin, à travers le confinement, que l'Église là, exerce ça, nous capable de bailler. Permettre nous exercer une autonomie. Permettre nous capable, nous même tout, développer un ensemble de talents que nous avons la caillou. Nous avons effectivement traversé des moments très critiques. Une des choses que l'Église a besoin de faire, c'est un réveil. L'Église a besoin de réveiller l'Italie. Notre sommet que nous avons, nous besoin de nous réveiller. Nous besoin de prier pour nous chercher la face de Dieu. Face avec cette église. C'est l'église qui besoin de chercher la face de Dieu. Et lorsque l'église a pu chercher la face de Dieu, elle est capable de communiquer avec nous la sagesse infinie de Dieu. Et nous ne bagaillons, c'est que nous étant que chrétiens, et si là le capteur de l'Esprit de l'autre, le membre de l'église qui a coûté, je dis, nous voulons face à Christ, hein, nous pas capables d'être indifférents. C'est le moment plus que jamais pour nous enseigner, pour nous apprendre, pour nous vivre une vie chrétienne pratique, et non seulement ça, pour nous avoir une façon de nous comporter dans la société. Amen. Et non seulement ça, c'est un moment eschatologique aussi. Amen. C'est au moment quand on a nous parler sur la fin des temps. Parce que la Bible nous dit ici tout dans Matthieu, chapitre 24, lui dit non, non, mais tout le monde va arriver, c'est que petit ton Dieu a, lui pas loin pour retourner. Amen. Et si petit ton Dieu a pas loin pour retourner, l'église a face à une terre qui a traversé le monde, l'église n'a pas capable de retourner. Un petit peu près, l'église a besoin d'aller côté de nous pour enseigner le retour de Jésus-Christ. Et non seulement enseigner le retour de Jésus-Christ, mais vous dire que la puissance de Dieu est capable de manifester même dans le moment Covid-19. C'est vrai, c'est un moment difficile, vous comprenez ça. C'est vrai, un peu de monde a couru. C'est pas la première fois ça arrive. Hein? Ah oui. C'est pas la première fois que nous sommes dans le confinement. Peut-être un peu de monde a dit que nous avons un mot dans la Bible. Mais moi, un peu de monde dans la Bible qui est dans le confinement. Yes. C'est que Noé, c'est venu un moment, bon Dieu m'a dénoyé pour entrer dans le confinement. Ah oui. Bon Dieu m'a dénoyé pour entrer dans la chla. Non seulement lui-même et famille, et pour prendre un père de chaque bête sur la terre. Et Noé, Noé a dit pour passer tout le temps ça, dans le confinement. Ah oui. Ça n'aurait pas gagné pour moi. Ça n'aurait pas gagné. Aucun contact avec l'environnement, ça c'est un confinement. Il n'y a pas seulement Noé, mais le peuple d'Israël. Ah oui. Il est venu une situation extrêmement difficile. Bon Dieu a demandé au peuple d'Israël pour entrer dans le confinement. Yeah. C'est que le peuple a vu la Gozène, en Égypte, et Dieu a demandé avec le peuple d'Israël entrer dans le confinement. Parce que l'homme de la mort, lui va le passer. Et lorsque l'homme de la mort va le passer, lui va frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Mais le peuple d'Israël lui a épargné parce que le confinement. Et bien, je dis à tout, face avec ce confinement, nous capables de dire l'église là, c'est un moyen pour l'épargner en pile famille, pour être capable de rejoindre l'amour, l'entente qui peut régner dans la famille. Nous, c'est important pour nous comprendre l'église là, face avec Christ, qui a traversé mon nom. Même Jean-Pierre lui dit nous, dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 7, la fin de toutes choses
proche. C'est-à-dire, pendant que nous avons regardé, c'est vrai, nous avons ici aux États-Unis, nous avons regardé environ 2 millions de monde infectés. Oh, ça c'est grave. Plus de 110 000 monde déjà mourus. Mais malgré ça, l'église n'a pas défaillu. Parce que la présence de l'église ici-bas permet d'arriver Satan, puissance Satan en captivité. C'est la présence de l'église qui ne peut pas gagner pour profit dégénérer. Si l'église pas là, ça n'a fini plus grave. C'est une raison nous besoin d'être approchés vers Jésus-Christ. Même je lui dis, la paix de toutes choses est proche. Si la paix de toutes choses est proche, c'est que l'église là, il besoin de faire une préparation. Que le verbe nous, Jésus-Christ a prétendu, que on l'est, que on va l'être. Que nous d'accord, que nous pas d'accord. Le Seigneur Jésus-Christ l'a retourné. Car il dit ici à l'homme, à la voix de la tente. Le mort en Christ ressuscite en premièrement. Et nous, si nous sommes encore vivants, nous serons tous transformés pour la rencontre de Dieu dans les airs. Qui garde à ce grand événement? Oh, il y a une grande différence entre l'enlèvement de l'Église et l'avènement de Jésus-Christ. L'enlèvement de l'Église, c'est le jour où la trompette lui va sonner. Et nous-mêmes qui, en Jésus-Christ, après les trompettes là, et nous allons rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs, ça veut dire que c'est une catégorie de monde qui a une possibilité de voir Jésus-Christ. Mais dans l'avènement de Jésus, c'est différent. C'est là que Jésus va retourner dans sa gloire pour régner, laisser la pile et sol, la descente pour régner sur le trône de David et laisser l'église là et tout le monde qui t'est monté, il va retourner pour régner et nous allons entrer dans le millénium. La fin de toutes choses, plus proche. Est-ce qu'on peut appeler l'étude de Jésus? Amen. Oh, l'église face à une église, c'est que l'église qui a besoin de communiquer. L'église qui a besoin de voir pour enseigner à nous, obéir les autorités. Dans Romains chapitre 13, la Bible nous dit, faut que nous, les chrétiens, nous obéissons aux autorités établies. Parce que toute autorité, ça veut dire donc, nous vivons de Dieu. Nous voyons, c'est important. Mais en situation pareille, culte de la famille, nous besoin de renouveler. Nous sommes en occasion pour nous, capables de pour renforcer le lien entre les membres de la famille, intensifier, créer des cultes de famille, initier des moments de patate de famille. Et l'église, là, chrétien, besoin de moments pour profiter. Unifier famille qui est dispersée. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 46 et 47, nous avons que des cultes de famille. C'est que nous nous réunissons dans la famille pour offrir à Dieu des sacrifices, pour offrir à Dieu ce corps comme une offrande de bonne odeur. L'Église doit veiller pour ne pas tomber aussi dans le sommeil spirituel. Amen. Oh, c'est que réellement, tout le monde a dormi spirituellement. Tout le monde passe avec cette crise, il y a un sommeil. Et ce sommeil, ce n'est pas un sommeil physique, mais c'est un sommeil spirituel. C'est que l'église là, les besoin de réveiller les gens face avec ce sommeil spirituel. Oh, l'église a besoin de débarrasser l'ensemble des distractions. Je dis à tout le monde passer plus de temps dans la distraction, soit sur les réseaux sociaux, dans les médias. Tout le monde passer plus de temps dans la distraction, mais ce moment pour l'église à réveiller, ce moment plus que jamais. Chrétiens, ils lisent la Bible, ils apprennent la parole de Dieu. C'est important, nous devons faire des programmes familiaux, des programmes personnels. Marie, mais si vous voulez dire madame, je suis la petite, discuter, dit tout ça, ils ont fait du positif et ça qui est négatif dans le foyer, pour que le foyer soit capable de dire. Face avec Christ, c'est un moment où l'église là qui est capable de grandir et grandir. Pas sur le plan numérique, parce que je dis à nous pas qu'à réunir un grand nombre, mais l'église là spirituellement, nous besoin d'une croissance. L'église là non seulement une croissance spirituelle, parce que face avec Christ mondial, l'église besoin d'un comportement qui est différent de l'autre union. Plus important pour qu'il y ait des retraites, plus important pour qu'il y ait des rencontres familiales. En Philippiens chapitre 4, le verset 4, c'est que le chrétien ne doit pas tomber dans la dépression. Oh, tout le monde dépression, il a tombé dans une dépression spirituelle. Parce qu'il dit, ok, est-ce qu'il y a à venir encore? Non, le désavant doit tomber dans une dépression. Comment ne pas tomber dans une dépression? C'est lorsque nous persévérons dans l'orange, dans l'adoration à Dieu. Les hommes ne doivent pas arrêter de rêver. C'est-à-dire, après le Covid-19, la vie a continué. Ah oui.
après le moment ça a passé, la vie a continué. Et si la vie a continué, chrétien, on ne peut pas arrêter de nous sommeil spirituel. Nous devons toujours espérer encore. Nous devons toujours rêver. Nous devons toujours poursuivre nous, projet nous, ambition nous. Car la vie continue après le COVID-19. C'est important. Dans Matthieu chapitre 6, verset 31 à 34, il dit nous pas de paniquer. Ah oui. Ah, nous, étant que chrétiens, nous pas de paniquer. Étant que membres de l'église, nous pas de paniquer face au COVID-19. Étant que chrétiens, nous reconnaissons Christ à le contrôle de tout. Il a le même maire aujourd'hui et éternellement. Il a le Dieu des cas compliqués. Il a le Dieu même des cas impossibles. Tout ce qui est impossible à l'homme, mais c'est possible à Dieu. C'est pourquoi il a dit, quand leurs fondements sont renversés, nous les justes, espérons. Nous les justes, quand leurs fondements, quand nous le monde renversé, quand les chefs d'État sont impuissants, quand la médecine, quand tout les scientifiques sont impuissants, nous les chrétiens, nous pèsons à juste foi en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas céder, nous ne pouvons pas tomber dans l'inquiétude. Regardez le futur avec espoir, confiance et optimisme. Chrétien nous optimise. Chrétien va nous être pessimiste. Nous ne pouvons pas faire ça qu'à finir. Parce que nous, quand signé loin, c'est bon Dieu qui veut. L'Église veut manifester amour. Amour comme la page universelle, la charité, le partage. Je dis à ce n'est pas un moment pour nous vivre dans l'égoïsme. Ce n'est pas un moment pour nous pousser sur nous-mêmes, mais c'est un moment pour nous faire ça nous relayer ou pas, nous partage. C'est un moment pour nous vivre dans la charité, dans le remède. Nous, c'est important. Dans Proverbe chapitre 10, verset 8, il dit évitez de tomber dans la folie. Oh, le moment ça, on nous a fait folie. La maman ça a pris le monde à faire un paquet de bataille qui vous fait yo, qui tourne yo. Mais nous, qui sommes chrétiens, nous besoin connaître avec qui est-ce qui a marché. Mes frères et sœurs, amis, oh, même qu'à côté, là c'est un autre. C'est que le moment est difficile, mais la Bible nous dit, nous besoin préparer nous. Nous besoin préparer nous parce que le moment a pris yo, yo difficile. C'est ça, il faut nous dire, nous soyons sages et sort. Va qui est à la prière. Mes frères et sœurs, amis, en Jésus-Christ, le membre de l'Église, soit le membre de l'Église de la prophétie, le membre de l'Église évangélique des pèlerins, le membre de l'Église baptiste, et tous ceux et toutes celles qui écoutent nous, soit à travers les réseaux sociaux, nos internautes, n'abdou que ça, face à cette crise. L'Église a tout un grand rôle pour jouer. Et le rôle de l'Église là, non seulement c'est concentrer mon yo, mais c'est permettre de connaître que nous besoin de mettre en pratique toute sa autorité demandé de nous faire. En conclusion, mes frères et sœurs, une bagarre nous avait dit où c'est que Jésus qui a la porte, l'a retourné, l'a vu chercher l'Église là. Et l'a venu, il n'est pas venu chercher nous seulement parce que c'est un bon plaisir pour lui, mais la vie cherche nous parce qu'elle prépare une place pour nous. Est-ce qu'on va dire à nous, la Seigneur Isaac, nous souhaitons que Jésus va pour nous un jour de gloire, un jour de réjouissance parce qu'elle avance avec le Seigneur. Que nous devons nous, un jour, tout va terminer ici-bas, mais la vie continue parce qu'avec Jésus, pas que la mort, même parce qu'elle tape mes yeux ici-bas, mais elle a pourvu l'autre bord. Que mon Dieu nous a comprendre l'évangile face avec cette église. C'est quand tu nous plais. Mettez confiance sur nos bon Dieu. Et bon Dieu, la agit pour vous. Que bon Dieu bénisse. Amen. Chers internautes, quel que soit côté, vous attendez avec un peu d'attention. Donc, oui, vous savez, c'est un bon Dieu. Il parle à vous. Il parle à cœur. Bon Dieu fait provision par serviteur, parce qu'il sait si. Vous tendez, pas quitter rien troublé, pas quitter rien ni dérangé. C'est le moment pour chercher. Bon Dieu, face avec situation crise et épidémie, coronavirus là, c'est le moment pour en contact avec Dieu. C'est le moment en famille. Chercher mon Dieu, c'est le moment pour l'église. Chercher face de Dieu, c'est pas le moment pour la troubler.
pour la mettre tout problème. Si c'est volonté de mon Dieu, moi je t'attends, nous garder nous pour aller, dans l'épidémie, nous aller. Mais si c'est pas volonté de mon Dieu, nous ne pouvons pas, faut que l'évangile la continue à prêcher. Faut que mon Dieu continue à adorer mon Dieu. C'est pour ça, pas troublé. Face avec crise, épidémie ça dans la société. Nous vivons un moment pour aller à la prière. Nous connaissons un peu de monde qui a des problèmes. Il y a plus de monde qui a des difficultés. Pendant le pasteur, Yves, ceci, a fait préparation pour aller vers le trône de la grâce. Pas qu'on est qui s'en va tirer. Pas qu'on est qui problème ou gagne. Il va parler avec le Seigneur. Il va demander quelque bagaille pour la vie. Ou même qui est en bouleverse, ou même qui est malade. Ou même qui a un problème qui traverse dans la vie. Ou même qui, peut-être spirituellement, vous sentir la vie ou baisser. Il va la prier. Ensemble avec vous. Peut-être qu'il n'y a pas de monde, mais il y a des gens qui ont attendu l'émission de salon, déclaré par mon Dieu, et pour Dieu lui-même, la page pour dans son lien, seulement, point seulement. Avec Pasteur Yves, qui va conduire vers le trône de la grâce. Bon Dieu, nous, Pasteur Yves. D'accord, merci Seigneur, prions le Seigneur. Tu es fort et grand, adorable Créateur. Nous infiniment remercions-nous dans le moment ça, à midi ça. Pour l'opportunité que vous accordez à nous-mêmes, vous te permettez encore nous là. Nous sommes là, oh Dieu, dans la méditation de ta parole. Mais dans l'essai, oh Dieu, nous venons devant, nous avons fait monter vers vous-mêmes nos cris. Car c'est vous-même qui dit en toutes circonstances, favorable ou non, faire monter vers vous-mêmes nos cris, cher Seigneur. Dans le moment ça, à midi ça, cher Seigneur. Nous présentons devant au Dieu avec notre bien-aimé sœur Elisa et sa famille. Oh, va bénir, cher Seigneur, dans le moment ça, Zach adore et sa famille, cher Seigneur. On va bénir, cher Seigneur, notre maestro Richard et sa famille. On va bénir, cher Seigneur, notre caméraman Iri et sa famille, cher Seigneur. Vous connaissez rien que nous-mêmes tout ça, il y a aucun besoin dans le moment ça. Cher Seigneur, dans le moment ça, dans la dans des moments extrêmement difficiles, face à cette pandémie qui a fait rage à travers le monde, oh Dieu, en plus de monde inquiet, en plus chef d'État inquiet, oh Dieu, dans le ministère, oh Dieu, en plus pays inquiet, en plus pays, cher Seigneur, oh, où les conditions sanitaires, les conditions hygiéniques n'ont pas respecté. Il y a inquiet, cher Seigneur. Mais une bagarre nous connaît, c'est que vous-même au contrôle de tout. Pour qui contrôle là, cher Seigneur, oh, face à cette inquiétude, oh Dieu, nous réaliser l'on parler, nous c'est nos larmes la meilleure calmer, mais l'on parler, oh Dieu, problème nous résoudre. A midi ça, oh Dieu, nous ne connaissons combien de monde qui a coûté nous, à midi ça, si la yo qui malade, si la yo, cher Seigneur, qui malade physiquement, soit qui infecté, et si la yo, cher Seigneur, spirituellement qui malade, si la yo psychiquement qui malade, n'a pas de yon guérison dans le moment ça même, cher Seigneur. N'a pas de que pour moi, puissance de secours capable d'accompagner yo. Permettre que chaque monde, oh Dieu, qui a une difficulté dans le moment ça, chaque monde dans l'essai, oh Dieu, qui a un besoin, chaque monde dans le moment ça, oh Dieu, soit le main en l'air qui a chénué, cher Seigneur, qu'a demandé pour faire une intervention pour eux, n'a pas de faire pour eux dans le ministère, dans l'essai même, cher Seigneur, nous réaliser, nous capables, nous connaissons, nous habitués à faire déjà, cher Seigneur, nous habitués, cher Seigneur, oh, face avec cette pandémie, ou habitué au Dieu résoudre ces genre de problèmes, ou qui toutes sortes de guérisons, cher Seigneur, pour toutes sortes de maladies. Le ministère, cher Seigneur, n'a pas d'eau, ou va toucher Silayo, cher Seigneur, oh, soit non, yo, qui l'a, cher Seigneur, qui a besoin. Silayo, cher Seigneur, qui a un programme. Silayo, cher Seigneur, qui a un objectif à atteindre, cher Seigneur, n'a pas d'eau, à midi, ça même, touché, yo. Et si d'ailleurs, oh Dieu qui casserait, oh, à travers mon nom, n'a pas d'eau à les libérer.
car tu es le Dieu de la délivrance. Cher Seigneur, nous réalisons dans le moment ça combien parmi nous qui dit des portes qui fermées. Et vous dites à travers parole, cher Seigneur, lorsque nous portes fermées pour nous, ouvrez vous ouvert, ouvrissez l'autre porte pour nous. Cher Seigneur, dans le moment ça, nous réalisons qu'il y a plus de monde aux yeux qui dit aux portes qui fermées devant nous. Qu'il y a plus de monde dans le ministère, cher Seigneur, qui comprend le miracle. C'est vrai, il n'y a pas de miracle, j'ai quoi en face. C'est vrai, cher Seigneur, la mer rouge n'a pas en face. Mais on a l'autre problème à traverser. Il y a connu des moments difficiles. Qui en ville, famille, au Dieu, dans le ministère, cher Seigneur, qui en deuil. Qui perd un membre dans la famille. Qui perd plusieurs membres dans la famille. N'a pas de consoler. Puisque vous-même, c'est le Dieu de consolation. Nous venons devant le ministère, cher Seigneur. N'a pas de au Dieu. Ou à pénis. Ça, mon Dieu, qui prend une telle initiative pour permettre que l'évangile soit capable de propager à travers le monde. La parole de prix, cher Seigneur, vous va bénir chaque homme d'église, l'église évangélique de Pèlerin, l'église de la prophétie, première église baptiste, autour les autres églises, centre de prière. Nous demandons que bénédiction va accompagner. Allez en Haïti, touchez, cher Seigneur, les différentes missions, soit mission de l'église de Dieu, soit mission de l'église de Dieu de Bethel, soit mission de l'église baptiste. Et tout ça, yo, cher Seigneur, qui à travers le monde, cher Seigneur, qui a coûté. Si la yo qui au Chili, si la yo qui au Brésil, si la yo qui au Mexique, en France, au Canada, oh si la yo qui avait ici aux États-Unis, en Haïti, cher Seigneur, n'a pas le coup de même à midi ça, cher Seigneur, que bénédiction va couvrir et que journée ça, cher Seigneur, que moment yo passe ensemble avec nous là, cher Seigneur, va un moment béni, un moment de délivrance, et pour ça, au Dieu, nous va guider le feedback, nous va retourner pour vous remercier, cher Seigneur, n'a pas le temps pour nous cachez vers moi. Oh, restez avec ces victoires-là. Alors, restez avec ces retours. Oh, cher Seigneur, restez avec Aïssou Richard. Et pour ça, oh Dieu, nous n'avons pas encore nous manquer d'opportunité pour nous ensemble, pour nous adorer, pour nous voir gloire. C'est notre écrit, oh Dieu, nous t'adressons en ce moment. Nous remercions de nos amis, toi, nous t'en prions, Père. Merci à ton nom de ton fils Jésus-Christ. Avisé soit gloire, l'honneur et louange au ciel et le ciel. Amen. Amen. Nous comptons pour nous dire ensemble, pour nous partager parole pour dire ensemble avec vous, nous pouvons joindre nos bagages pour nous. Alors, le sujet a gagné un pile belle bagage qui parle là-dedans. Partagez ensemble avec nos amis, nos frères, et nous pouvons joindre par tout dans ce sujet. Nous connaissons un pile difficulté, un pile problème à travers ce qui a passé dans le monde. Mais nous connaissons bon Dieu lui-même là. Pour être capable de supporter nous, pour être capable d'aider nous, car nous connaissons tout le bagage qui a été écrit à travers la Bible. Mais mettez-vous prêt pour l'aider tout Christ là, pour même capable de faire tout bête sonner, pour que Dieu lui-même soit capable de joindre dans nous. Nous comptons en pile, pasteur, pour bel sujet, ça nous comptons en pile. Alors nous pouvons oublier un dernier mot de retour fort pour être capable de placer ensemble avec toutes petites amies pour nous attendre. Amen. Merci, c'est Elisane. Avant de nous demander de comprendre nous remercions nous pour l'invitation qui nous a été offerte à moi-même pour nous être capable là, je dis à, pour nous offrir l'évangile avec tout le monde qui nous a écouté. Merci infiniment. Merci à Marie-Sou Richard qui a bon son, qui a mixé nous. Je dis merci avec caméraman de nous et qui n'a pas vraiment pris une majeure pour nous. Nous souhaitons que il va un moment béni pour nous. Et nous disons avec chaque monde, pas peur, pas crainte. Face avec cette crise, notre Dieu est fidèle. Nous remercions tout le monde qui a écouté nous. Nous remercions les membres de l'église évangélique des Pèlerins, la prophétie, centre de prière. Et si vous avez écouté nous aussi en Haïti, et si vous avez eu la possibilité de nous poursuivre à travers Page Elisabeth, mais à travers Page Jouet aussi. Et si vous avez eu la possibilité pour nous. Suivez tout moment de passer ensemble. Quel moment ça va pour nous? Un moment béni et pas oublier saluer la membre de l'église évangélique de Pèlerin et pas oublier saluer l'église Bethel de Dimé et spécialement pasteur Jonathan Dieudonné. Que mon Dieu bénisse nous. Amen, amen, amen. Et frère président, nous fait place ensemble avec vous. Madame Iwi, c'est un plaisir pour nous tenir avec nous, pasteur Yves Saint-Cy. Amen. Nous sommes voisins, Galette Douya, Campes Dimé,
C'est une équipe qui réunit ensemble, nous sommes dans la même localité. C'est ton plaisir, Pasteur Yves. Merci pour être avec nous pour partager sa bonté lui-même. Il te mettait sous terre pour intervenir au cap de nous. J'espère rejoindre nos portions pour la vie en gros. Nous saluons tout le monde, soit Haïti, famille nous, maman nous, belle-mère nous, madame papa nous, maman madame nous, nous saluons Seno, frère nous, ça qui Brésil, Seno, ça qui Haïti, et vous même qui pas bon ici, nous saluons madame nous, et c'est toute l'équipe là qui était belle et bien présente, qui est entrée là-bas avec l'émission pour la famille, partager. Pas que belle pour vous. L'entendez, on veut parler par un serviteur, un homme de Dieu. Pas que belle pour vous. Il est important pour partager avec nous un monde qui peut vous convertir. Pour le temps, on veut parole et la massive de Christ comme son maître et belle on va bénir nous. Fait travail ça pour l'évangile à l'éternel. C'est ton plaisir pour être ensemble à Saint-Élisabeth. Nous souhaitons que vous divinez le peuple là abondamment. Vous devez nous, madame. Amen. Nous comptons encore, nous vous parlons chance, fini, ensemble avec contentement que vous devez mettre la caille, nous sommes capables toujours de rentrer la caille. Alors que nous devons même être capables de continuer de venir ou à travers belle parole, belle sujet qui déjà partagé sur le plateau, nous sommes capables toujours faire ça, pas oublier, partager. Que vous devez être capable de rester ensemble avec vous. Nous saluons tous les amis nous en général, nous saluons en frère Assad, nous saluons que vous devez être capable de venir ou frère Adolphe, bien aimé, nous saluons frère Paul Richard.